Eh mes viewers, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de nos aventures sur Fallout 4. Alors aujourd'hui, notre objectif est simple et pas très compliqué. C'est de retourner à la maison. Donc, ouais, alors attends. Je me rappelle, on était... J'étais venu là, il m'avait dit de me casser, cet enfoiré. Je pense qu'on a du Red Away et un bocal d'argent, des bouteilles de Nuka-Cola, d'accord. Ça, c'est l'ascenseur. Un dossier. D'accord. Et une trousse de soie. Bien. Vous croyez que je peux retourner, repartir On verra ça plus tard. Bon, on a des caisses de ravitaillement. PC, tube d'essai, fusil, machin. Pour lancer des grenades ou poser des mines. Bon, je veux pas poser de mine, non, ça va aller. Est-ce que je peux escalader ça? Non. Je peux toujours pas non plus, ok, d'accord. On peut pas utiliser de véhicule, manifestement. Bon, même si ceux-là sont un petit peu... voilà. Hein. Ouais, mais arrête de tout ramasser aussi, s'il te plaît. Parce que là, on va pas s'en sortir. Un cendrier, non, un cendrier, ça va aller. Cartouche de 10 mm. Je trouve qu'il reste quand même beaucoup de choses... Faut les récupérer, les capsules. Les capsules, c'est la monnaie de Fallout, normalement. Et je trouve qu'il reste quand même beaucoup de trucs, non? Parce que bon, ça fait X années... Je dis 20 ans, mais... C'est quand même grave pourri, quoi. Ah ouais, mais il y a eu les bombes aussi. Là. Appuie sur L-Shift pour sprinter. Pourquoi tu veux sprinter? J'ai aucun intérêt de sprinter, moi. Je suis tranquille, moi, je me balade dans la forêt. Dans la forêt verdoyante. Ou pas. Ah, donc là, on a le pont, et là, il y avait les deux connards, avec leur valise, là. Apparemment, ils ont réussi à s'en sortir. Quelqu'un a mangé leur cadavre, je ne sais pas. Alors, j'ai découvert le sanctuaire. Ah. Hey, Codsworth, c'est le mien! Excellent! Qu'est-ce qui s'est passé? Codsworth, qu'est-ce qui est arrivé au monde? Au monde, monsieur? Eh bien, mis à part le fait que nos géraniums continuent de faire des jaloux à Sanctuary Hills, j'ai bien peur qu'il ne se soit pas passé grand-chose. Mais la maison sera bien plus animée maintenant que vous êtes de retour, votre épouse et vous. Où est madame, d'ailleurs? Ils l'ont tué. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses affreuses, je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames, ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Sean? Tu dis Sean? C'est le gamin, Sean? Mais non. Bon. Codsworth, écoute-moi bien. Bon, d'accord. Tu l'as vu? Est-ce que tu as vu Sean? Il était avec madame quand je l'ai vu pour la dernière fois. Elle est peut-être allée chez les parents. Nul doute qu'elle reviendra bientôt avec. Il a été enlevé. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement due... À la fin, c'est le genre de choses qui arrivent quand on ne mange pas pendant 200 ans. J'en ai peur. Hein? Bon, allons. 200 ans? Quoi? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans, en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes. En raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux... T'es sérieux? Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Ah ouais? Souhaitez-vous que je vous prépare une petite... Bon, alors du coup, oui, mais après, ça veut pas dire qu'ils ont pas pris le gamin il y a 10 ans, tu vois. Ah bah merde. Ça va. Ouais, ça va. Un comportement un peu étrange. Étrange? Bah non, je trouve bien, Codsworth. Oh monsieur, c'était affreux. Deux siècles entiers sans personne à qui parler, ni personne à servir.
J'ai passé les 10 premières années à essayer de cirer les sols. Mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture? Comment faire? Il en peut plus, le pauvre robot. Alors, qu'est-ce que tu sais, ouais? J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. Bon, les bombes sont tombées de partout. Je pense que madame... Une holobande? Je pense qu'il s'agit d'un message dans n'importe quel... Non, un message privé de ma femme. Oh, ça va être mignon, ça. Ça va être mignon. Oui, on y va. Ah, ben écoute, on y va, Coldsworth. Il chante, cet abruti. Attends, deux secondes, est-ce que je peux pas... je voudrais regarder un petit peu mon truc, là, tenue, soit... Ouais, c'est les mêmes, on est d'accord. Ok. Qu'est-ce que t'as? Arrête de gueuler, Coldsworth. Coldsworth. Ouf, raté. Il n'y a rien d'autre ici que quelques mouches. Attendez. Mes capteurs détectent du mouvement dans une autre maison. Suivez-moi. Deux secondes, tu... Je suis occupé. Des chewing-gums? Ouais, pourquoi pas. Grille pain, je m'en cale. Alors, t'es où? Oh, putain, mais arrête de courir, mongolien! Ah, bordel, tu vois bien qu'on est occupé, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que Taïo? Des dégâts de radiation? Oh merde! Oh fuck! Bon alors, Coldsworth, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu me proposes? Hey, Coldsworth. Il doit y avoir une mouche quelque part qu'on n'a pas encore vue. Non. Une petite voiture et un hocher. C'est mignon. Oui, bah oui, le gamin est mort. C'est pas chez nous. La radio ne sert plus à rien, évidemment. Coldsworth. Oh bah. Drapeau américain plié, je prends. Un peu de patriotisme, que diable! Ça marche plus, d'accord. Alors, quête, hors du temps, inspecter le quartier avec machin. Ah, j'arrête pas de lui parler à cet abruti, il veut pas me répondre. Hey, Coldsworth. Il y a un truc sur ma carte, regardez. On dirait un truc. Ah ouais, non mais c'est loin ça, Sanctuary. Abri 111, inspecter le quartier. Ah putain, je comprends pas. Je dirais qu'il est bugué, cet abruti. Ouais, j'aurais bien vu une mouche qui s'était... C'est quoi ça? Gwyneth Ale? Parce que c'est ça, de la bière. Comment est-ce que tu veux qu'il y ait de la lumière dans cette lampe à pétrole après 200 ans? Non mais je t'en prie, explique-moi. J'ai déjà un symbole pour lui parler, c'est bon. Ah, faut peut-être que je fouille les mouches, non? Coldsworth. Ouais. Ah, ça y est. Ah bah non, ils sont pas là. Ah mais si, c'était ma... Oh, quel toc de... Putain, non mais affichez pas la toc, sérieux, il y a des viewers, quoi. Sean est là, quelque part, Coldsworth. Je dois le retrouver. Les Concordes, monsieur. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Il reste encore des gens en vie à Concorde? Oui, même s'ils sont un peu... rudes. Vous vous souvenez de la route? Il faut emprunter la passerelle au...
Je vais rester ici afin de protéger notre foyer. D'accord. Donc toi, tu restes ici à Sanctuary. Alors. Bon, et ici, on pourrait... Vous pensez qu'on pourrait reconstruire une base, quelque chose? Je sais pas comment ça se passe. J'ai vraiment hâte de le savoir, mais je ne sais pas. Alors, au niveau de l'EC, tu veux qu'on aille à Concorde? Tout de suite, là, comme ça? Bon, bah écoute. Donc c'est quoi l'idée? Je suis pas là. Il va y avoir quelqu'un qui pourra vous aider à Concorde. D'accord, bah on y va alors, on y va. Je fouille pas la baraque plus que ça pour l'instant. Je pense qu'on aura largement l'occasion d'y revenir. Est-ce que l'eau ne serait pas irradiée, machin, tout ça? On va plutôt passer le pont tranquillement. On va pas faire l'aventurier là. On va pas faire le warrior ou je ne sais quelle connerie. On va gentiment prendre le pont et tomber dans l'embuscade. Oh, la belle voiture qui ne marche plus, bien évidemment. C'est quoi ça? Grenade à fragmentation. Il y avait des grenades à fragmentation dans la poubelle, c'est formidable. C'est formidable. C'est quoi ça? C'est un truc. Alors, cartouche de 38, pistolet, tenue de nomade. Oh, viande de chien errant, ouais. Démon de pneu. Pauvre clébard. Alors ça, c'est quoi? C'est une statue de moi, je pense. Ça y ressemble, hein. Tonton Krug, ce héros. Le héros des temps modernes. C'est quoi cette boule? On dirait la boule dans Rust. Le truc où tu t'approches et ça snipe de partout, t'es mort en deux secondes. Alors ça c'est... Oup! Ah! Salut toi. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? T'as perdu ton maître, mon vieux? Je lui ai mis une balle dans la patte. D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Bah ouais, t'es mon copain toi. Regardez, votre chien appuie sur eux pour compter des nains. Parler, échanger. Et si, oh, bouge pas. Allez. Restez en position. On y va. Voilà. Je vais faire parler. Restez là. J'arrive pas à lui donner d'ordre en fait. Sur moi. Alors, on se fouille un petit peu la station service là, ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on a? Obtenir une data tête. Ça. Ah! Prenez ça. Excellent. Excellent. Reste là, mon grand. Pas non. Bouger. Voilà. Non, voilà. Ah, voilà. C'est parce que j'étais en train de le commander, en fait. C'est pour ça que les ordres étaient un peu... C'est quoi ce bruit? Eh, hey, qu'est-ce qu'il branle le clébard là? Il se défend pas? D'accord. Ah bah, je suis content d'avoir un fidèle compagnon, hein, prêt à défendre son maître. Ramassez ça. Tu vises comme un cul, mon petit Krug. Alors, classe armoire.
Ça c'est quoi? Medic, c'est cool. Oh, les... Je commence à mettre des coups de crosse parce que... Cachette de capsules? Ah ouais, 38 capsules là. Et ça c'est le terminal de Red Rocket. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Les liens, je m'en fous tout ça. Ça n'a aucun intérêt, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Bon, admettons que je me casse sans le chien. Je me tire, j'en ai marre du chien. Trouver quoi? Ah, en plus, d'accord. On peut utiliser l'atelier. Steampack, la molette, tendrier. On peut pas utiliser. Donc, ce qu'on peut faire avec un atelier. L'atelier vous permet de construire, de modifier, de supprimer des objets, des structures. D'accord. Ah, je peux déjà faire des structures, t'es sérieux? Donc, c'est quoi ça? Alors, poste d'armure assisté, ça m'intéresse beaucoup plus que... D'accord. Non mais tab. Ouais voilà. Tab. Admettons. Je peux crafter de l'eau, ça. Une pompe à eau, donc il faut du béton, acier, engrenage, donc tout ça j'ai déjà, d'accord. J'ai pas mal de trucs en fait. Il faut être scientifique niveau 1 pour faire un épurateur d'eau, d'accord. Putain la vache, ça pour durer 3 de flotte, d'accord, mais il faut du béton, ok. Marqué pour recherche, c'est-à-dire... Ah, là, on recherche du béton. D'accord. Bon, ok, admettons. Nourriture, là, il faut du blé, d'accord. Autre machin. Donc, il faut qu'on trouve... Ah, super. Il faut qu'on trouve des fruits et légumes pour qu'on puisse après les planter. Mais, moi, je veux bien tout ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que j'ai pas de population, en fait. C'est quoi, ça? Ouais, c'est juste des structures, bâton à point. Oui, mais non, ça c'est pas... C'est de la décoration, ces conneries-là, en fait. Oh ouais, non, on fout tout ça. Tout ça, on s'en fout. Bien. D'un autre côté, est-ce qu'on va construire quelque chose tout de suite? Je vais peut-être attendre un petit peu l'avancée des tutos, des machins, quoi. Il n'y a pas de bâtiment tout fait. Okay. Bon, ben en tout cas, je suis bien content. Ça, c'est établi d'armure. Tiens donc. Alors ça, je vais le recycler, effectivement. Donc j'ai rajouté du tissu. Formidable. Donc je vais pouvoir... Ah putain, modifier.
Comment on fait pas E? C'est génial, regardez tous les crafts qu'on peut faire. Si je trouvais du caoutchouc, je pourrais mettre un revêtement isolant sur mon armure. Enfin, mon armure, qu'est-ce que je veux dire? Ils ont cartonné sur le craft, en fait. Tout simplement. Mais ça va être génial. Par contre, je vais y passer des centaines de milliers d'heures. Et ça, c'est pas génial, ça. Ça, c'est notre station, d'accord? Donc, il faut toujours qu'on aille vers Concorde. Je m'occuperai de ça quand j'aurai des copains. Hein, tout simplement. Parce qu'après, c'est pareil. Est-ce que je vais... Oh là, on est déjà à Concorde, c'est ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas si je vais venir m'installer ici ou s'il faut qu'on s'installe ailleurs ou... Ouais, ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça bouge trop vite tout ça. Ben voilà, il se bat ce putain de chien. Il se battait pas au début, je comprenais pas. Alors c'est quoi ça? Un brahmin, ouais, donc ça c'est une espèce de vache radioactive là. Ça c'est quoi? Tiens. De l'axidé. Axidé. Donc l'axidé, on pourra peut-être la replanter à la maison et tout, donc ça pourra éventuellement être cool. Tac 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 tac, tout ça c'est bon. Le réfrigérateur, nuque que la quantum, des bombes sucrées, donc c'est des céréales hein, tout simplement. Ça c'est une télé de merde. On va aller au premier étage pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Il s'y passe. C'est quoi ça? Des médicaments. Ouais, ok, on est à Concorde. Alors, vous avez atteint le niveau 2. Je m'en fous. Là, tout de suite, franchement, je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Parce que s'il faut que je débloque scientifique, forgeron, maçon, portugais, tu vois. Je vais attendre un peu, toujours pareil. Putain, ça canarde. Ça canarde quelque part. On va aller sur... C'est la place, là-bas? Ah ouais, non, mais c'est clair, ça canarde, les gars. Là, ça bouge. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on trace, on trace, on trace. Ah, c'est des pillards, ok. Oh, il le headshot. Mon chien. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Derrière. Où est mon chien? Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Hey, par ici. Ça va? Sur le balcon. Ça va, il a l'air d'aller bien. À l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte. Il a l'air d'aller bien, le chien. Prenez ce mousquet laser et aidez-nous. Mousquet laser? Bon, pour l'instant, il y a tellement de matos, c'était quoi? Il y a tellement de matos à piquer. Mousquet laser. Oui. Cellule à fusion, d'accord. Et on loot tout ça. L'appel de la liberté. Optionnel, prenez le mousquet, d'accord? Et entrez dans le musée. Alors déjà, inventaire. Arme. Et je le vois pas, putain. J'ai les yeux en mousquet. Pourquoi compact? Fusil à double canon. Ok. Alors le chien est là. J'ai looté tout le monde, je pense. Juste ce que je vais faire, c'est... Ah, regarde. Ah, on a un petit peu plus d'armure. Et voilà, je vais me foutre une cagoule à tuyau plutôt que mon casque... plutôt que mon... Qu'on s'appelle. Ah, tu vois ce que je veux dire. Ouais, plutôt que ma toque de cuisinier. Est-ce qu'il y a une vue extérieure? Il doit y avoir une touche pour qu'on se voit nous-mêmes. J'imagine.
qu'est-ce qui se passe? Il y a un carton. Oh, putain, c'est carton à l'intérieur? Mais je peux pas tirer, qu'est-ce qui se passe? Et je peux pas tirer. Oui, le headshot. Alors, tac, tac, tac. Bon, en même temps, alors, il faut qu'on monte les aider. En même temps, faut qu'on pille tout ce qu'on peut piller sur la route. Non à l'occupation britannique, oui, bien sûr. Monsieur, dame. Oh, putain. C'est pas des gens. Genre, 200 ans après, le musée, il marche encore. Où il est passé, ce connard? Ça doit pas faire partie de l'animation. Hein. L'histoire ne dit pas si ce connard c'est Tonton Krug. Qu'est-ce que t'en penses, Fushi? J'ai cru qu'il y avait un mec là-haut, mais c'est un tableau. Franchement, je dis qu'on devrait se barrer. On va pas rester ici à attendre de se faire trouver la peau. Arrête de... Chut. Merde, c'était quoi ça? Je vais bientôt être un petit peu emmerdé niveau quantité de matos clouté, je pense. J'arrive, bande d'enfoirés. Je vais vous faire la peau, je vous préviens. Ouais, moi aussi j'arrive. Arrête, où tu veux qu'ils aillent? On a autre chose à foutre, merde. Vous entendez ça? Faut que j'aille faire un tour, mais quand je reviens, c'est mort. Il dit attention, c'est qu'il y a du monde. Hein. Le putain de chien qui me bloque là. À mon avis. Ouais, t'as sûrement raison. Faudrait que j'y aille mollo sur le jet. Oh, commence pas à raconter n'importe quoi. C'est fini! Le chien dessus. Oh oui! Oh oui, lâche fait, c'est magnifique! T'as bien travaillé, mon petit clébard. C'est qui lui? C'est Negan, non? Ah, ils ont ouvert la porte direct, là. Vous êtes, mais vous tombez à pic. C'est Tonton Krug. Putain, t'as un bon flingue, toi. Les miliciens. Quelle est cette histoire? Oh, j'ai une gueule, les gars. Personne plus rien pour vous. Les miliciens sont là. C'était l'idée, en tout cas. Je voulais me rendre utile, alors je me suis engagé. Mais tout est parti en vrille. Et aujourd'hui, on dirait bien que je suis le dernier des miliciens. Non, c'est pas ça. C'est qui, ces gens? Juste des gens qui cherchent un nouveau foyer. Un nouveau départ. Je suis avec eux depuis Quincy. Lexington avait l'air bien au début. Mais les ghouls ont fini par nous chasser. Il y a un mois, on était là. Hier. Et maintenant, plus que cinq. Il n'y a plus que moi, les Longs, Marcy et June. Sur le canapé, c'est la vieille Mama Murphy. Et lui, c'est... Des ghouls? C'est quoi ça? Peut-être. Vous n'êtes vraiment pas du coin, hein? Non. Les ghouls sont des gens irradiés. La plupart sont comme vous et moi. Elles ont une sale tête et vivent plus longtemps que la moyenne. Chien. Mais ça reste des gens. Celles dont je vous parle sont différentes. Les radiations... Est-ce que ce sera suffisant pour arrêter ces dingues? Sturges, expliquez-lui. Il y a un vertiptère qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu? Apparemment... Un de ses passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-40. Ouh, ouh.
Qu'est-ce qui rend cette armure assistée si spéciale? C'est un modèle à servomoteur interne Westech. Une armure de Terminator. Ce petit bijou, on devient un véritable surhomme. Plus fort, plus robuste, résistant aux radiations. Et en plus, avec l'armure, vous aurez la force d'arracher le minigun. Oh, allez, bonne idée. Là, ça me parle. Sympa, hein? Bon, il y a juste un léger souci. D'accord. L'armure est à sec. On peut la recharger, mais dans notre situation... D'accord. Je vais les aider, bien sûr. Vous allez avoir besoin d'un réacteur à fusion standard d'avant-guerre. D'accord. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire. Du genre qu'utilisait l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. Mais on peut pas y accéder. Il est au sous-sol, derrière une porte de sécurité. Écoutez, moi, je répare les trucs. Je bricole. Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Mais vous, peut-être que vous pourriez essayer. Ça ne devrait pas être trop dur. Je vais voir ce que je peux faire. Excellent. Ouais, pour dire ça non plus. Peut-être que la chance est en train de tourner. Une fois que vous aurez branché le réacteur sur l'armure assistée et que vous aurez récupéré le minigun, montrez aux pillards qu'ils ont fait l'erreur de leur vie. D'accord. Et une fois qu'on aura fait ça, les amis, on va pouvoir installer... on va pouvoir s'installer dans Concorde. Correctement. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas Madame. Utile. Voyez Madame. Un peu ce que Canigou nous vous allez bien ramène. Oh, figurine de perception. Seule observation, votre perception augmente d'un point. Ah oui. Pourquoi c'est pas juste, c'est pas juste. La sac à café, d'accord. Ok, bon. Donc là, première mission qui va être plutôt sympa. Et tu peux pas venir avec nous, toi, là? Mais qu'est-ce que vous attendez? Excellent. Ça c'est quoi ça, Rob Coffin? Vous avez trouvé un numéro du magazine inclus le jeu Atomic Command. Ah, c'est bien ça. Ah, on a vraiment looté un jeu, je crois. Excellent. Bon, amis viewers, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter bien évidemment, et à t'abonner si ce n'est pas fait. Rendez-vous après-demain pour la conquête de l'armure automatisée.